Peuple de Dieu, marche joyeux. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a choisi parmi les cette célébration de la fête de Sainte Rita. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce jour de fête et de joie. Souvent, nous venons prier Sainte Rita pour lui confier nos intentions durant toute l'année, lui demander d'intercéder pour des situations difficiles ou parfois désespérées. Aujourd'hui, nous voulons surtout remercier le Seigneur pour toutes les grâces reçues par l'intercession de Sainte Rita. La semaine dernière, une personne me confiait qu'elle venait prier Sainte Rita pour un problème juridique qui la tourmentait depuis plus de 4 ans. Et ce jour-là même, où elle était venue prier, elle recevait un coup de fil lui annonçant que son problème était résolu. Sainte Rita ne garantit pas le service aussi rapide à chaque fois, mais cette fois-là, c'est arrivé. Beaucoup d'entre nous, en tout cas, peuvent témoigner comme Sainte Rita est intervenue dans leur vie, dans des situations difficiles. Nous voulons aujourd'hui célébrer dans la joie et la gratitude. Je voudrais remercier très chaleureusement Monseigneur Jean Bonfils, évêque émérite de Nice, comme vous savez, d'avoir accepté aimablement de présider cette célébration. Votre présence nous touche, Monseigneur. Elle est signe de votre amitié, votre affection pour Sainte Rita et de votre amitié pour la communauté des Oblats de la Vierge Marie. C'est aussi avec grand plaisir que nous accueillons nos élus, M. Éric Ciotti, député et président du conseil départemental, M. Estrosi, maire de Nice, de nouveau avec nous, et M. Pradal, adjoint à M. Estrosi, M. Auguste Vérola, vice-président du conseil départemental et adjoint au maire de Nice pour les cultes, Mme Janine Giletta, vice-présidente du conseil départemental et adjointe au maire de Nice, vice-présidente aussi de la métropole, M. Gaël Nofri, Mme Aziari Nègre, Mme Martineau, tous conseillers
municipal. Merci de votre présence. Vous témoignez ainsi de votre attachement aux valeurs et aux traditions chrétiennes de notre ville. Les Niçois vénèrent en effet Sainte Rita dans cette église depuis 1935, l'année où le père Bianco, un de nos pères oblats venus d'Italie, a installé la statue qui est tout de suite à l'entrée de l'église sur la gauche. Et depuis ce temps, les Niçois se sont affectionnés pour cette sainte. Nous apprécions sincèrement votre présence parmi nous. Bienvenue aussi à vous tous qui venez non seulement de Nice et du département, mais parfois de beaucoup plus loin. Je pense qu'il y a un quart qui vient de Marseille. Vous êtes arrivé, le quart de Marseille, vous êtes là, d'accord? Bien. Bienvenue à Marseille, ceux de Marseille. Est-ce qu'il y avait de Nîmes aussi? Non, ils ne sont pas venus. Habituellement, ils viennent. Cette année, ils ne sont pas venus. Oui, ils sont là. D'autres? Vous êtes là, de Nîmes? Voilà. Salutations à tous et bienvenue. Nous voulons saluer également tous ceux qui se joignent à nous à cette célébration via la diffusion de la messe sur notre site Internet et sur notre page Facebook. Donc, vous risquez d'être filmés. Ce n'est pas sur TF1, mais c'est humblement sur notre site Internet. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, soyez donc les bienvenus pour cette célébration, pour préparer nos cœurs à accueillir la parole de Dieu et à recevoir le pain de vie. Reconnaissons ensemble que nous sommes pécheurs devant le Seigneur et les uns devant les autres, et demandons pardon. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria. Gloria, gloria,
Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, répands sur nous en abondance la sagesse de la croix et la force d'âme dont tu as bien voulu gratifier Sainte Rita, afin que, supportant les souffrances avec le Christ, nous puissions participer plus étroitement à son mystère pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Ceux qui sont au fond, vous pouvez vous approcher, vous mettre ici sur l'autel pour vous asseoir. Vous pouvez vous approcher, comme ça, ça vous permet de mieux participer. Allez, venez. Lecture du Cantique des Cantiques. Parole du bien-aimé. Que mon nom soit gravé dans ton cœur, qu'il soit marqué sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort, la passion est implacable comme l'abîme. Ces flammes sont des flammes brûlantes, c'est un feu divin. Les torrents ne peuvent éteindre l'amour, les fleuves ne l'emporteront pas. Si quelqu'un offrait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, tout ce qu'il obtiendrait, c'est un profond mépris. Parole du Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, mon Dieu. Garde mon âme dans la paix, près de toi, mon Dieu. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix, près de toi, mon Dieu. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix, près de toi, attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix, près de toi, mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi, pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi, comme il est écrit, « Celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. » Parole du Seigneur.
Alléluia, alléluia, alléluia. Amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme, appelée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui se tenait assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien. Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Frères et sœurs, nous venons d'entendre la parole de Dieu en trois lectures et nous recevons cette parole en arrière-plan, en quelque sorte, du témoignage que nous offre la vie de Sainte Rita, qui illustre concrètement l'enseignement que nous venons de recevoir. Le premier enseignement nous est donné par le Cantique des Cantiques. Chant d'amour d'un bien-aimé pour sa bien-aimée. Alors quand on lit le Cantique des Cantiques, on s'aperçoit que ce bien-aimé et sa bien-aimée se joignent, ils se perdent, ils se cherchent et ils se trouvent. L'Église a retenu ce livre de l'Ancien Testament comme parole de Dieu. Elle y a vu une sorte d'allégorie de l'amour de Dieu pour son peuple et de l'amour du Christ pour l'Église. C'est une façon de dire qu'en matière de vie chrétienne, tout doit être mesuré par l'amour. L'amour gratuit de Dieu qui se donne à nous et l'amour que nous devons lui rendre en nous aimant les uns les autres, au sein d'un couple, dans nos familles, dans nos quartiers, nos villes et villages. Sainte Rita ne serait pas ce qu'elle a été, n'aurait pu vivre ce qu'elle a vécu, et n'aurait pas le rayonnement qu'elle a aujourd'hui dans le monde si elle n'avait fait d'abord un acte de foi dans l'amour de Dieu pour elle. Ça change tout dans une vie quand on a foi en l'amour de Dieu pour nous. Ça change tout. Ça change notre vie. Parce que nous sommes comme entraînés à suivre les pas de Jésus pour aimer Dieu comme lui a aimé son Père. Nous sommes aimés de Dieu. Il a donné sa vie pour nous et continue de le faire par les sacrements.
Et nous sommes tenus, nous aussi, de diverses manières, de donner notre vie pour nos frères. Car c'est là le critère de la vérité de notre amour pour Dieu. Comme l'a écrit saint Jean, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut prétendre aimer Dieu qu'il ne voit pas. On peut toujours dire qu'on aime les gens qui sont à l'autre bout de la terre, mais on ne les voit pas et on n'a pas à vivre avec eux. Mais quand on a affaire à des personnes avec qui on vit habituellement, qui sont toujours les mêmes, c'est différent, c'est plus compliqué. Seulement, c'est là le critère que l'on aime Dieu, si on les aime, ceux-là, qui sont tout près de nous, parfois insupportables, mais qui sont là. Voilà un premier message que nous fait entendre Sainte Rita aujourd'hui. Alors je ne détaille pas le nombre incalculable de gestes d'amour gratuits, que nous pouvons manifester à notre prochain. Chacun peut le faire en réfléchissant un peu. Depuis un simple sourire, car ça met à l'aise de voir quelqu'un qui sourit, jusqu'à une aide plus effective. Un second enseignement nous a été donné par l'apôtre saint Paul. Dieu n'a que faire de la sagesse des hommes, généralement à courte vue d'ailleurs, et il choisit généralement pour accomplir son œuvre ce qu'il y a de faible et de petit dans le monde. Ce qui est modeste et qui apparaît comme rien aux yeux du monde. On a plusieurs exemples dans l'histoire de l'Église. Il y a sainte Rita, il y a sainte Bernadette à Lourdes et tant d'autres. Il choisit même, Dieu, ce qu'il y a de fou dans le monde, comme dit saint Paul, pour entreprendre ce qu'il est sans doute le plus difficile dans la vie familiale et dans la vie sociale, et qui consiste à faire la paix, dans la vie sociale et dans la vie familiale. On a écrit ceci à propos des parents de sainte Rita, que dans leur village, ils détestaient les vices. Il corrigeait les péchés d'autrui, il faut du courage pour ça, et lorsqu'il ressentait des désaccords, des désunions et des inimitiés, ils essayaient tout de suite de les résoudre, soit par des mots agréables, soit par des menaces, montrant toujours la très sainte passion, la passion de Jésus. Pour cela, ils étaient nommés les passières de Jésus-Christ, c'est-à-dire faiseurs de paix. Quant à Rita, à l'âge de 36 ans, elle perd son mari, assassiné on ne sait trop pour quelle raison, et elle pardonne aux assassins, et elle puise la force de le faire dans la contemplation du mystère de Jésus sur la croix. Voilà comment s'exprime la sagesse de Dieu, qui, en Jésus-Christ, se présente comme une passion, c'est-à-dire une souffrance, quelque chose que l'on supporte. Une passion pour notre rédemption. Ce n'est pas pour rien que Jésus a souffert. Sainte Rita, plutôt au cours des 40 années qu'elle a vécu au couvent des Augustines, sainte Rita a reçu au front une blessure provoquée par une épine du crucifix devant lequel elle priait. Signe éloquent de son implication personnelle dans le mystère de la passion de Jésus Sauveur,
qui, sur la croix, pardonnait à ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Notre société aujourd'hui a besoin de pardon. Combien de fois ? 77 fois, 7 fois, répond Jésus à l'apôtre Pierre, qui lui demandait combien de fois il faut pardonner. 77 fois, 7 fois, c'est le chiffre le plus parfait. Le pardon que Dieu nous accorde pour nos péchés est illimité, illimité. Et celui que nous devons à celles et ceux qui nous ont offensés doit être aussi illimité. Dieu ne nous demande pas d'oublier le mal qu'on a pu nous faire, c'est parfois impossible, mais de pardonner à celui ou celle qui l'a commis, ce qui est un acte de notre volonté librement consentie. Je veux pardonner. Et je fais le nécessaire pour réconcilier. Sans pardon, la société humaine devient une jungle. Et sans pardon, nos familles se divisent et se décomposent. Sainte Rita, aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation de la revanche ou de la vengeance. Celui-là, il va voir. Non. Quand je viens, le cœur lourd vers toi, levant les yeux, je sais que devant Dieu, tu portes nos prières, Sainte Rita. Rita, pour être en paix toujours, livre-nous ton secret, savoir que Dieu nous aime, répondre à son amour. C'est ce que nous chantons dans le chant de Sainte Rita, que sans doute on chantera à la fin. Bon. Le troisième enseignement est contenu dans l'Évangile. Jésus dit, Marie de Béthanie, a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. Ceci dit, alors que Marthe, sa sœur, était accaparée par les multiples occupations du service d'accueil de l'hôte qui arrivait, ce qui ne veut pas dire qu'elle perdait son temps et que c'était inutile et que ça ne plaisait pas à Dieu, au contraire. Mais quelle est donc la meilleure part ? Elle consiste à se mettre à l'écoute de la parole de Dieu auprès du Seigneur, comme Marie de Béthanie. C'est ce qu'a pris Sainte Rita, d'abord dans sa famille, c'est ce qu'elle a vécu tout au long de sa vie d'épreuve, et c'est d'ailleurs cette écoute de la parole de Dieu qui lui a permis de supporter ses épreuves, dans son couple d'abord, et puis à l'occasion de l'assassinat de son mari et tout le reste. Et elle a appris cette écoute de la parole de Dieu, sans doute plus particulièrement encore, au monastère des moniales augustines de Sainte-Marie-Madeleine. Je pose alors la question, qui parmi nous, comme Marie de Béthanie, prend chaque jour un temps gratuit d'écoute de la parole de Dieu, l'Évangile en main et l'esprit dégagé de toute autre préoccupation. Vous allez me dire, mais nous ne sommes pas des moines ou des religieux pour le faire. Eux, c'est leur affaire, c'est leur travail de prier, etc. Nous sommes tous des chrétiens et le chrétien vit de la parole de Dieu. Ce n'est pas un exercice facile, mais il nous est aussi indispensable que celui de nous mettre à table pour nourrir notre corps.
Notre foi a besoin de nourriture, sinon elle perd sa vigueur et nous en venons à souffrir, sans nous en rendre compte, d'une anémie spirituelle qui stérilise notre vie chrétienne et nous paralyse pour témoigner de la nouveauté et de la vigueur de l'Évangile. Nous avons à demander à Sainte Rita de prier Dieu qu'il nous rende courageux pour prendre chaque jour le temps d'écouter sa parole. Et puis il y a des cercles bibliques dans les paroisses, il y a des groupes de prière où l'on prie avec la parole de Dieu, où on se l'explique mutuellement, où on échange sur l'écho que cette parole a en chacun. Voilà comment notre foi est soutenue, nourrie, encouragée. Nous laisser aimer par Dieu et l'aimer nous-mêmes. Nous laisser réconcilier par le Christ pour être en mesure de pardonner et de nous réconcilier nous-mêmes avec ceux qui nous ont offensés. Écouter la parole de Dieu et prier avec elle et sur elle. Voilà un programme que nous offre Sainte Rita. Il est possible de le mettre en œuvre grâce à elle, car Dieu ne demande rien d'impossible. Lui qui est capable de faire pousser et fleurir des roses en plein hiver. Alors que la vie de chacun et de chacune d'entre nous devienne une rose. Amen. En ce jour où nous célébrons les merveilles de grâce que le Seigneur a accomplies en Sainte Rita et par son intercession, tournons-nous avec confiance vers celui qui nous aime et prend soin de nous. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Notre pape François, pour les évêques et pour les prêtres, ainsi que pour tous ceux et celles qui ont des responsabilités dans l'Église, prions ensemble. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les jeunes qui se sentent appelés à la vie sacerdotale, pour se mettre au service de tous ceux qui cherchent Dieu, prions ensemble. Pour tous les laïcs qui sont engagés dans la vie sociale et politique et qui donnent de leur temps et de leur énergie pour la construction d'une société plus juste, prions ensemble. Pour les plus pauvres de notre monde, ceux et celles qui n'ont pas de travail ou qui vivent dans la précarité, pour ceux et celles qui sont seuls dans les épreuves, prions ensemble. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nos frères chrétiens d'Orient qui sont victimes des guerres et des fanatismes religieux, prions ensemble. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur Dieu, notre Père,
dont l'amour est tout puissant, écoute les prières que nous te présentons. D'accord. Seigneur Dieu, notre Père, dont l'amour est tout puissant, écoute les prières que nous te présentons avec humilité et confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de salut du monde. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête de Sainte Rita de Cassia. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous n'ayons d'autre richesse que toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans ta grande bonté, tu nous as donné
en Sainte Rita un magnifique exemple d'amour pour toi, Seigneur, et par toi à toute l'humanité. L'amour était la force de sa vie, et par cette force, elle fut toujours guidée tout au long de son existence, méditant sans cesse la passion de ton Fils. Devenue exemple de sacrifice et de charité, elle expérimenta pleinement la sublime exigence de l'amour qui, par la voie de la croix, conduit les hommes vers la vraie joie et vers la lumière de la résurrection. C'est pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Rita et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même Esprit Saint que nous avons reçu au baptême et qui a fait de nous des fils et des filles de Dieu, nous pouvons redire avec confiance la prière que Jésus nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, fortifie-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que l'ancienne, le règne et la puissance, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Dans la mesure du possible de passer par le centre, de retourner par les allées latérales, sauf pour ceux qui sont tout près ici, là vous pourrez vous approcher. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Christ garde pour la vie éternelle. Amen.
c'est-à-dire. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu.
garder ma parole pour avancer dans la vérité, bonne nouvelle pour la terre, peuple de lumière, baptisé. Prions le Seigneur. Par la puissance de cette communion, Seigneur, conduis-nous toujours dans la voie de ton amour, comme tu fis pour Sainte Rita de Cachia. L'œuvre de salut que tu as entreprise en nous, poursuis-la jusqu'au jour du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Au moment de demander au Seigneur de bénir ses roses, rappelons-nous que la rose cueillie en plein hiver à la demande de Rita témoigna de la tendresse de Dieu envers elle, envers celle qui allait bientôt entrer dans la gloire du ciel. Puissions-nous, dans toute notre vie, imiter les vertus de Sainte Rita et porter du fruit à l'exemple de celle que l'on appelle justement la rose de Cachia, et que chacun de nous devienne une rose. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur notre Dieu, tu ne cesses d'embellir ton Église par la vertu des saints. Exauce la prière de tes serviteurs qui te présentent ces roses, signe de ta bonté et de ta sollicitude pour ceux qui souffrent. Qu'ils aient à cœur de garder tes commandements et qu'ils obtiennent tout ce qui peut les aider à avancer avec confiance vers la vie éternelle. Par Jésus. Thank you.
Avant la bénédiction finale, je voudrais de nouveau remercier Mgr Bonfils de sa présence parmi nous, remercier tous nos élus. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont participé à la préparation de cette fête. Il y a beaucoup de choses à mettre en place et avec nos employés, avec des bénévoles. Voilà, je veux remercier vraiment tout le monde de ceux qui ont participé. Je remercie Jean-Cyril Gandillet qui est à l'orgue et la flûtiste dont je n'ai pas le nom ici malheureusement, mais qu'on peut applaudir, voilà, d'avoir animé notre... Voilà. Je voudrais aussi vous remercier à vous qui êtes venus et de loin parfois, donc merci de votre présence parmi nous. Vous êtes évidemment invités tout au cours de l'année à venir prier Sainte-Rita. Il y a toujours un prêtre à la disposition pour un entretien, pour une confession, pour parler tout simplement, qui est à disposition chaque fois, tout le temps où l'Église est ouverte. Donc vous êtes bienvenus. Mais vous savez que Sainte-Rita peut aussi aller chez vous. Elle peut aller chez vous d'abord par notre petite revue mensuelle qui est un lien fort entre tous ceux qui aiment Sainte-Rita. Elle est envoyée partout en France, on a plus de 25 000 abonnés, et c'est un lien, il y a des témoignages, il y a des enseignements du pape en particulier, il y a des prières, il y a des personnes qui envoient leurs demandes et leurs remerciements. Donc tout ça est contenu dans notre revue Sainte-Rita, 20 euros par année, c'est vraiment pas cher, avec le calendrier, le grand et le petit, donc c'est vraiment... accessible à tous. Vous pouvez aussi, de chez vous, consulter notre site Internet et notre page Facebook qu'on a mis en place il y a un mois à peine. Et vous pouvez obtenir des informations sur les activités de l'Église. Vous pouvez aussi commander des objets, des livres. Vous pouvez aussi demander des messes, des célébrations de messes. L'inscription en particulier à la messe perpétuelle, chaque matin ici, ce qu'on appelle la messe perpétuelle, c'est que la fondation de la messe perpétuelle, chaque matin, la messe est célébrée pour tous ceux qui sont inscrits. Elle existe depuis longtemps, donc c'est des milliers de personnes qui sont inscrites, et la messe est célébrée pour toutes ces personnes. Donc vous pouvez aussi vous inscrire à la messe perpétuelle ou demander des messes particulières si vous le voulez. Je vous invite, pour tout ça, vous pouvez l'obtenir, les inscriptions, etc., à la sacristie, ici, ou à la petite boutique qui est en face, qui fait partie aussi de l'Église, et vous pouvez faire toutes ces opérations, la même administration. Voilà. De nouveau, merci à tous, et je vous souhaite une bonne fête de Sainte-Rita à tous et à toutes. Excusez-moi, j'ai oublié une chose essentielle. Le bel hôtel que vous voyez, c'est le frère Georges et Julien qui l'ont fait, et je pense qu'ils méritent avec toutes ces roches. Voilà. Avant de donner la bénédiction, excusez-moi de prolonger de quelques secondes, je voudrais vous inviter à rendre grâce à Dieu pour une nouvelle qui peut être... ne vous fait ni chaud ni froid, mais qui est très importante pour l'Église. Le pape vient de créer 6 cardinaux et il est allé les chercher à ceux qu'il appelle les périphéries. Il y a un cardinal au Laos, nommé au Laos, un petit pays que personne ne connaît, bien sûr, puisque les Français ne connaissent pas la géographie. Il y a un cardinal en Suède. C'est le premier cardinal suédois depuis la réforme
protestante du XVIe siècle. Il y a l'archevêque de Bamako, au Mali. Il y a les trois autres, je les ai oubliés, peu importe. C'est une grande grâce pour l'Église. Il n'y a que deux Européens, mais ça n'a pas d'importance parce que l'Europe a encombré le monde entier depuis des siècles. Alors, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est Dieu lui-même qui a la gloire et le bonheur des saints et qui vous donne part à leur fête. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Gloire des cieux, tu n'oublies pas Rita, le monde et ses misères. Quand je viens le cœur lourd vers toi, lève les yeux, je sais que devant Dieu tu portes nos prières. Rita, pour être en paix toujours, livre-nous ton secret, savoir que Dieu nous aime, répondre à son pour la sortie, vous pouvez passer par ici aussi, par l'autel. Ceux qui veulent passer par l'autel ou par les portes latérales à droite. Voilà. C'est demain? Oui. Grazie a tutti.